Et bien c'est tout le monde, c'est Squala. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous présenter un tout nouveau mode menu. Donc le Commoz mode menu. Donc voilà le Commoz menu, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. On vise les 200 likes pour cette vidéo, je sais qu'on en est vraiment capable. Voilà. Et si vous likez, et imaginons t'es le 30e like ou t'es le 50e like, bah n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Tu dis, imaginons bah t'es le 30e like, bah tu dis je suis le 30e like, voilà, je mettrai un cœur à ton commentaire et j'y répondrai sûrement. Donc voilà, donc pour ce mode menu simplement, pas besoin de WinRAR ni rien. Il y aura juste un lien en description, vous arriverez dessus, vous devrez faire cliquer ici. Là comme d'habitude vous devrez cliquer sur le bouton rouge. Là en fait moi évidemment, de base vous aurez un canon où il n'y a pas le canon parce que ça reconnaît que c'est ma chaîne YouTube. Donc vous devrez vous abonner à ma chaîne YouTube. Évidemment si vous voulez vous désabonner, je vous invite à vous désabonner. Voilà, c'est juste en échange de ma vidéo que je demande ça, je demande pas d'argent ni rien, je demande juste un abonnement. Une fois que vous êtes abonné, vous reviendrez, ça sera déverrouillé comme moi, vous faites cliquer ici, vous arriverez tout simplement sur un lien méga. Mais juste avant de le télécharger, vous devrez tout simplement désactiver votre antivirus, sinon ça va vous le supprimer. Donc voilà, pourquoi désactiver son antivirus, pourquoi c'est détecté comme un virus? Tout simplement parce que pour injecter un mode menu sur GTA, faut modifier les fichiers du jeu. Et modifier les fichiers du jeu, c'est interdit. Et puisqu'un vrai virus ça fait quoi? Bah ça modifie les fichiers mais de votre PC. Là ça modifie juste les fichiers de GTA pour ajouter un mode menu. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez si vous n'avez pas l'antivirus, vous avez celui de base, vous allez dans la barre de recherche et vous allez marquer Windows Defender. Attendez, comme ça, voilà. Vous allez cliquer sur sécurité Windows. Vous allez aller dans la première catégorie, gérer les paramètres et désactiver la première case de Commo. Une fois que cela est fait, vous allez tout simplement cliquer sur télécharger. Voilà, c'est vraiment très rapide, hein. C'est un mode menu, ça prend ouais, 15-20 secondes, après ça dépend de votre connexion. Bref, donc là on attend tout simplement que ça se télécharge. D'ailleurs tous mes réseaux sociaux sont en description, que ce soit Instagram, Snapchat, Twitter. Et mon serveur Discord est aussi en description. Donc là ce que vous allez faire c'est que ça va vous mettre ça. Comme je vous ai dit avant, vous inquiétez pas, il n'y a rien. Vous faites conserver les fichiers dangereux, conservez quand même. Là vous allez le mettre sur le bureau. Donc là ce que vous aurez tout simplement besoin de faire, c'est que vous allez tout simplement lancer ce que vous voulez télécharger, donc le mode menu. Vous allez le lancer, faut pas lancer son jeu avant évidemment, faut le lancer grâce au mode menu. Donc une fois que vous lancez, vous cliquez sur Run GTA 5, vous choisissez la version donc Social Club, Epic Games ou alors Steam. Une fois que vous êtes simplement lancé le jeu, une fois qu'il est lancé, vous allez cliquer sur Inject et après ça sera la touche F4 pour tout simplement l'ouvrir. Donc voilà, c'est ce que là, moi je vous laisse en accélérant musique. Allez, ciao.